qu'il y a un rayon de soleil, si on peut appeler ça comme ça pour faire ma vidéo vite fait. Parce que là il pleut à verse, il y a même des orages. On va pas se plaindre, ça fait du bien. Voilà. Et sinon, salut toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps. Hein. Cette vidéo là devait sortir la semaine dernière, mais j'ai eu un petit contretemps. Du coup, bah, elle sort que maintenant. Mieux vaut tard que jamais, comme j'aime si bien le dire. Du coup, dans cette vidéo. Et non, tu commences pas à me couper la parole, toi, s'il te plaît. Ouais, ouais. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes créations du mois de juillet. Mais je triche un petit peu parce qu'au mois de juillet, en fait, je suis partie 3 semaines en vacances. Du coup, bah, j'ai pas pu faire de création. Alors, il y a des créations que là, je vais te montrer, mais qui datent de début août. Du coup, j'ai triché un petit peu. Mais sinon, j'avais rien à te montrer. Tu fais là. Et je dis ça, je dis rien, mais n'hésite pas à aller voir tous mes réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos. Et tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Moi, je suis pas là pour te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Va t'abonner, abonne la cloche. Non, pas abonne. Active la cloche. Non, mais tu fais ce que tu veux, mon coco. Oh, je suis pas là pour te donner des ordres, merde. C'est bon, j'en ai assez de mes filles hein, pour. J'étais un jour dans les tutos, je n'avais plus aucun tuto à te présenter, à te proposer, du coup j'en ai refait plein. Mais c'est que des cannes, pour l'instant. À part un. Oui, à part un bijou, c'est pas une canne, mais le reste c'est que des cannes. Je me suis remise à jour dans les cannes, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Bref, on s'en fout. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Mais allô mon loulou? Fait super chaud, purée. Ouais, en tout, j'ai fait 5 tutos durant les derniers jours. Oui, c'est ça. Voilà. Bref. Sinon, mis à part ça, je me suis amusée à faire plein de petits bracelets. Il y en a plein. Moi, je te les montre pas, hein, parce qu'on s'en fout. Mais en fait, c'est des bracelets que je vais offrir en cadeau sur ma boutique. Quand t'achètes sur ma boutique, t'as forcément un cadeau. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis. Si jamais. Ouais, à chaque fois que tu commandes sur ma boutique, il y a toujours un petit cadeau en plus. Du coup, là, je me suis amusée à faire plein de bracelets, j'en ai 20, je crois que j'en ai 20, ouais. J'ai 20 petits bracelets que j'ai confectionnés moi, enfin confectionnés, c'est que des bracelets en perles élastiques. Hein. Enfin, pas que, il y en a où c'est des petites feuilles. Bref, hein, on s'en fiche, voilà, c'est des bracelets que j'offre en cadeau si t'achètes sur ma boutique. Et de quoi faire là? On est bien? Je sens que je vais rattacher mes cheveux, je les avais enlevés pour faire la vidéo parce que ça faisait mieux. Mais j'ai trop chaud là, oh, c'est horrible. Donc tous les petits bijoux, il y en a eu énormément, je me suis fait chier à les poncer à la main. C'était dur et je crois qu'il va falloir que je rachète du papier à poncer parce que le mien, il fait la gueule. Faut toujours qu'on me fasse chier quand je fais mes vidéos, je prends l'habitude maintenant. Hein. Où est-ce que tu dis le papier à poncer? Parce que ça fait un petit moment que je l'ai, puis je l'utilise bah, tous les mois. Une fois que j'ai fini de faire toutes mes créations, je m'amuse à tout poncer d'un coup. Donc, je sais plus ce que je disais. Je sais que je parlais du papier à poncer, mais je sais plus. Bon, bref, on s'en fout, de toute façon, c'était pas important. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et oui, chaque bijou que tu vas voir dans cette vidéo-là va être disponible sur ma boutique. Alors pas tout de suite parce que je suis un petit peu en retard encore. Mais dans les jours à venir, c'est sûr et certain, ça sera sur la boutique. Parce que là on est jeudi et toi t'es censé voir cette vidéo la vendredi. Mais j'ai bien peur que malheureusement je ne trouve pas assez de temps et qu'elle ne sorte que samedi. Qui vivra verra, on verra bien. J'ai fait que 5 tutos pour le moment, mais il faut que j'en fasse d'autres, puisque je sais très bien qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais... parce que j'ai bien remarqué, hein. Il n'y a que les vidéos tuto qui vous intéressent, il n'y a que ça. C'est un peu déprimant pour moi, parce que je suis pas faite que pour ça. Je suis pas une machine, je ne vais pas m'amuser à sortir des tutos toutes les semaines. Mais bon, apparemment, il y a des gens qui pensent que j'ai que ça à foutre. Bon, ok. Je répondrai même pas, je laisse tomber. Donc du coup, il va falloir que je me remette au travail pour faire d'autres tutos. Faut que je retrouve un petit peu d'imagination parce que là en ce moment je suis un peu... Je tourne en rond quoi. C'est pas génial.
J'ai eu un petit problème avec mon vernis. Je pense qu'il a pas aimé la chaleur, j'en sais rien, il a tourné. Mais en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Donc j'ai verni tous mes bijoux avec ce vernis pourri. J'ai dit il a périmé, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il a eu et je m'en suis même pas rendu compte. Du coup là, tous mes bijoux, il va falloir que je les revernisse parce qu'ils ont plein d'aspérités, c'est dégueulasse. Et quand tu vois que je me suis fait chier à poncer et que le vernis vient tout gâcher, c'est là que je me dis, bah faut que j'achète un truc que... Tu vas te faire bouffer les pattes, toi. Faut que j'achète quelque chose pour polir maintenant. Parce que le vernis, c'est. Maintenant que je ponce, et ben, il va falloir que je m'amuse à polir. L'un va pas sans l'autre, normalement. C'est mieux comme ça. Parce que là, surtout que le vernis, il m'a fait des trucs dégueulasses, je suis dégoûtée. Bref, voilà. Tiens, si t'as soif, toi. Bon, allez. J'arrête de parler et je te montre tout de suite les créations que j'ai réalisées au mois de juillet et un petit peu au mois d'août parce que je triche un petit peu. C'est pas grave. Donc du coup je commence tout de suite avec une petite broche toute seule, toute simple, une étoile de mer. Ah oui, parce que c'est les vacances et puis qui dit vacances dit souvent bah, la plupart des gens partent au bord de mer. Et donc du coup j'ai voulu faire une petite étoile de mer. Tout simplement. Ensuite s'en suivent deux petites paires de boucles d'oreilles façon écossais. Avec une impression de tissu écossais, on va dire ça comme ça. Ensuite, bah, j'ai réalisé des petits bijoux avec une canne fleur et une canne papillon que je viens de faire. T'as compris? C'est bien. Tu suis. C'est très bien. Et, bref, j'ai fait plein de petits bijoux avec une canne papillon et une canne fleur. Voilà. Et on commence avec le premier, comme ça, un petit rond avec des fleurs, enfin deux fleurs et une aile de papillon. En dessous, j'ai réalisé un effet swirl avec les restes de la canne papillon. Non, la canne fleur, pardon. Ensuite, c'est un petit camé avec ma canne fleur. Et le troisième collier, c'est un mélange avec les fleurs et la canne aile de papillon. Toujours avec la canne fleur, j'ai aussi réalisé deux petites paires de boucles d'oreilles. À droite à gauche, et bien j'ai réalisé deux autres paires de boucles d'oreilles que j'offre en cadeau. J'ai fait un boulgui-boulga avec le reste de ma canne fleur pour faire ces deux paires de boucles d'oreilles. Mais vu qu'il n'y a que trois colliers et que j'ai que deux paires de boucles d'oreilles, je ne sais pas lesquelles vont aller avec quoi. On verra bien. Ensuite, j'ai réalisé 4 petits bijoux différents de d'habitude. J'ai voulu faire une nouvelle tentative, j'en sais rien. Non, pas une tentative, j'ai une connerie. Parce que j'avais jamais fait ça avant. Mais j'ai voulu faire quelque chose de nouveau. Voilà. Et j'ai réalisé des colliers cubes. Bref, du coup, j'ai 4 colliers en cube. Et à chaque fois, j'ai une paire de boucles d'oreilles assorties qui est offerte en cadeau. Donc j'en ai un dans les tons orangé, rouge et jaune. Et avec les restes de tout ça, et bien j'ai réalisé un autre collier avec une petite perle.
suite, j'en ai un dans les tons violet et rose. Avec les restes, et eh bien je vais réaliser un autre collier avec une belle jolie perle. Une belle jolie perle. Et moi je vais pas bien. Un autre petit collier cube, ça c'est mon préféré, c'est avec un effet jean. Avec un Mika Shift. Ensuite, le collier suivant, c'est avec du translucide. Du translucide avec des encres à alcool. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a, ma fifille? Sacrée gueularde. Bref, du coup, voilà. Il y a tout le monde qui m'embête dans cette vidéo. Mais vraiment tout le monde, là. J'en ai marre. Au secours, aidez-moi. Sortez-moi de là! Et bref, du coup, ce que je disais, avec ce collier, eh bien, j'ai une autre petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Ce mois-ci, ont tous une petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Il n'y en a que 3 colliers. 3 sur une vingtaine. Ça va? Il n'y en a que 3 qui n'ont pas de boucles d'oreilles. Ensuite, les deux bijoux suivants, c'est... J'ai réalisé une canne carreau de ciment. J'avais envie d'essayer ça. Alors, c'est ma première canne, donc elle est pas top. Elle est... Je suis pas satisfaite du tout. Mais le bijou, en lui-même, j'aime bien quand même. Alors, c'est du... Normalement, c'est censé être du carreau de ciment, mais ça y ressemble pas. Mais finalement, le bijou me plaît quand même. Tu... T'arrives à me suivre ou pas là, tu vois? Du coup voilà, bref, j'ai 2 colliers façon carreau de ciment et à chaque poche j'ai la petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. De ma canne carreau de ciment, et bien j'ai fait comme pour les autres un boulgi boulga et j'ai réalisé une petite toupie. On continue avec les 2 autres colliers et encore une fois c'est avec des encres à alcool.
Voilà. Et comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite paire de boucles d'oreilles offerte en cadeau. C'est avec la technique du UK Shift et j'ai une petite paire de boucles d'oreilles offerte en cadeau. Avec la technique du watercolor mosaïque dans les tons parme, violet parme. Et lui, je l'aime beaucoup. Moi qui suis pas fan du violet, et bah lui, je l'aime beaucoup. Et j'ai une petite paire de boucles d'oreilles offerte en cadeau. J'adore cette petite chanson. Du mois de juillet et début août, mais ça faut pas le dire, j'en ai une vingtaine, 22 je crois que c'était, je sais plus exactement, bref, voilà, depuis que je suis rentrée de vacances et ben j'ai bien carburé, j'ai pas arrêté d'en faire quasiment tous les jours, du coup ben j'en ai fini avec cette vidéo et j'espère sincèrement que ça le tourne, j'y arrive plus, oh c'est horrible, j'en ai fini avec cette vidéo et j'espère sincèrement que ça t'aura plu, voilà, là c'est réussi. Ouais. Si jamais tu as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir parce que si je peux le faire, ben ça sera avec le plus grand des plaisirs. Donc n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Comme d'habitude, je suis juste un peu longue à la détente, mais je finis toujours par le faire parce que c'est la moindre des choses. Comme d'habitude. Ben, je me répète, c'est pas grave, mais j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Et moi, je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Bah, je crois que c'est bon. Allez hop. Arrivederci. Et j'ai un nouveau délire. Alors, je sais pas si ça va intéresser du monde. Mais en fait quand je fais des vidéos comme ça, par moments je pars vraiment, mais vraiment en cacahuète. Et je suis obligée de te couper certains moments de cette vidéo là. Parce que bah, déjà la vidéo est très longue. Et si je devais rajouter ça en plus, ça en finirait pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc une petite vidéo bonus à la fin du mois. Avec tous mes ratés. Encore un. Ça t'intéresserait? Une vidéo bonus mes casseroles? Non, comment je peux dire? Comment je pourrais appeler ça? Peut-être pas une vidéo tous les mois, parce que c'est que les vidéos face cam, et face cam j'en fais que une par an, par mois maintenant. Mais une fois que j'ai assez de... Eh, vous êtes chiants, sérieux? Vous me saoulez là!
une fois que j'ai assez de contenu, et ben je te balance une vidéo comme ça, avec tous mes ratés. Toutes mes blagues foireuses. Quand je chante, quand je danse. C'est horrible, ça fait peur. Mais bon, vu qu'il pleut déjà, on s'en fout. Mais ouais, si une vidéo comme ça, ça t'intéresserait? Il y en a tellement. Je les ai toutes foutues à la poubelle, mais là, à partir d'ici, je peux les garder. Et là dans cette vidéo-là, je te jure, j'ai fait plein de conneries. Hein. Je suis partie en cacahuète avec la chaleur qui me monte à la tête. Je suis partie en cacahuète. C'est clair. Donc tu me dis, ça t'intéresse? Mais vidéo drôle, vidéo blague. Non, gag, vidéo gag. Mais oui, ça c'est ma génération, vidéo gag. Ça n'existe plus maintenant. Où tu pouvais gagner 500 francs. C'était ça? Oh, 500 francs, c'est beaucoup quand même. Si ta vidéo passait, c'était TF1, je crois qu'ils faisaient ça, à vidéo gag, et bah tu gagnais un peu de... Bah là non, ça marche plus, là, c'est fini. Avec internet, maintenant c'est fini. Bon, bref. Je me fatigue moi-même. J'en ai marre. Bref, du coup, tu me dis si ça t'intéresse, hein. C'est trop chaud. Allez. J'avais dit que je coupais. Alors, je coupe. Adios, amigos. Arrivederci.